Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'était arrêté juste là. Parce qu'il y a un cadavre, c'est une meuf qui a traversé la route sans regarder, elle est morte. Voilà. Et du coup, on va aller voir ça de plus près. Avec un peu de chance, elle se sera tellement fait renverser que son corps sera en charpie. Et j'aurai pas besoin de censurer des sons. Greetings from sunny California. When's it gonna stop? Et oui, avec un peu de chance. Je te jure que la censure, elle est pourrie. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais vraiment, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf ce qu'a fait. Donc, joueur, on est là. Joueur, on doit aller là-haut. Donc, I guess, on va là et on monte ici. Ça devrait être bon. Joueur, il est là. Donc, on va vers ici et on monte. Bah, pas que je sache. Peut-être, en fait, si je fais un... Si je fais le montage sur YouTube, peut-être. Mais je fais pas le montage sur YouTube parce que c'est chiant. En fait, je vais monter la vidéo de lui. Ah, je pense pas. Tu sais, à l'époque, les gens n'étaient pas choqués de femmes nues, hein. Not a killer still out there. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? Non, puis, ça besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows make it the man. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first. C'est vrai, il est fort. Parce que je le baisse, il est trop fort. Bon, on m'a dit que tout allait bien tout à l'heure. Mais parce que aussi, moi, alors quand j'ai regardé les vidéos YouTube, j'ai l'impression que le son du jeu était vraiment pas fort, justement, par rapport à ma voix. J'ai baissé un peu, tu me diras si c'est mieux. Guy there will lead us up. I'm steeling myself for what I'm about to see. C'est quoi le drapeau vient de bouger là? Vas-y, c'est pas moi. On a appris à sauter de toute façon donc. Tu m'entends moins qu'avant? Là, tu m'entends moins qu'avant? Ou moins que le dernier stream? Ou moins qu'avant que je m'en aille? Parce qu'attends. Oh, pardon, si je fais ça. Ah oui, bah, et là c'est mieux normalement. Parce que peut-être que je me suis éloignée du micro. Ah non, je peux pas escalader. Là c'est mieux? Putain, je peux pas escalader. Non, je suis sur Tears of the Kingdom. Et il faut savoir que dans ce jeu... Je ne prends absolument pas les chemins principaux. C'est-à-dire qu'on me dit, il faut passer par le chemin qui est au nord pour l'objectif principal. Mais en fait, moi, j'escalade. J'escalade les montagnes et je saute. Parce que bah, je suis quasiment sûre que sur le chemin principal, je me perds. Du coup, je vais straight forward. Objectif. Et donc là, je me dis, ça aurait été un peu cool de... Pouvoir juste escalader la montagne, mais visiblement c'est trop demandé. Bah, c'est-à-dire que la voiture je l'ai plantée dans un mur, alors flemme de la déplanter. Planter. Detectives, Phelps and Galloway, homicide.
See and secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, detective. This looks awfully familiar. Oh, no, I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m. But it was cold last night. Usual head injuries. Elle est habillée. Force trauma. Hallelujah. Strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. Ah bah tu vois, Phelps il connaît, Phelps il met des vidéos sur YouTube tous les week-ends. Dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Là tu vois, lui aussi était en PLS, t'es en mode putain, je vais devoir censurer ma vidéo sur ma vie, mon vlog. Je vais devoir censurer mon vlog, t'es chier. Donc là, oh putain, au moins l'habillé cette fois. Oh c'est bon, pas de censure sur le vlog. Est-ce que vous savez que Galloway a regardé la série Sherlock? Et c'est de là que ça sort le Rien de nouveau sous le soleil. Junk. Mais non, c'est pas sans intérêt. Si t'en veux rien, si t'en veux pas que ça sert à rien, tu le récupères au moins. Moi, quand je trouve un billet par terre, qu'est-ce que je fais? Je le récupère, je perds ma tournée. D'abord, bah bien sûr, d'abord les vues sur YouTube, d'abord YouTube, d'abord la YouTube money. Our driver and our killer are most likely one and the same. Écoute, l'enquête, ça fait vivre personne, d'accord? La preuve. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. Peut-être il l'a porté. Il y a des limites. Il y a des limites à ce qu'on peut faire et ne pas faire. On a déjà vu ça. Il y a un truc par là, mais... Ah, ouais, ok, va dire son intérêt. Mais tout le monde, enfin, il y a des jus de fruits partout en fait. Et là, c'est une déchetterie. Il y a pas une scène de crime où il y a pas une bouteille de jus de fruits. Sinon. C'est pour YouTube. très bien, elle a une main. Avec un beau vernis. Joli décolleté. Une autre main avec un beau vernis. Mais en tout cas, bien maquillée, hein, la madame. There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363. J'ai pas lu. Ouais, oh, hein. Écoute, ça fait 3 vidéos qu'on voit des femmes nues. On n'est plus à ça près, hein. Je voudrais le carnet, si c'était comment déjà. En fait, attends. Ah, excusez-moi. Indice. Étiquette de pressing. Très bien. On a relevé tous les indices en tout cas. Ça, c'est good. Par contre, je sais pas trop ce qu'il a dit sur la corde. Je peux écouter. Messieurs. Non, pas d'infos. Eh ben, on va appeler. On va appeler, hein.
Ah bah c'est pratique parce qu'ils ont tué quelqu'un juste à côté du téléphone. Vraiment pratique ces meurtriers, vraiment. Ils pensent à tout. Ils facilitent le travail de la police. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Feltz, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Ne parlez pas de la fibre. Did you see anyone around here last night? Not last night. Mensonge! Yesterday, early evening, I saw that awful hobo. N'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce qu'elle fait là? Là, elle regarde droit dans les yeux. Ça veut dire... Ça veut dire... Mensonge. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. On ne peut pas lui donner un manteau à la dame parce qu'elle a froid, là, visiblement. One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. À travers mes yeux. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Mais donc si je comprends bien, le mec l'a ramené en voiture juste ici. Elle a pris la pluie pendant 15 minutes. J'aurais bien fait de pas interroger direct. Ça aurait été marrant. J'avais pas le choix. Mais la meuf a pris la... Ah oui, d'accord. Et il repart direct. Mais juste pour dire qu'est-ce que t'as vu. Et on pouvait pas juste nous aller la voir, la dame Non. Donc, Je trouve que voilà, c'est pas forcément... Ouais, au pire. Moi, je suis pas sûre, là, de... du temps homme employé pour cette tâche. Phelps, badge 1247. How can I help, detective? I need an address on... Attends, moi, la meuf habite à 20 minutes, tu sais, donc le gars, il a fait une heure de route, là. La meuf aussi, une heure de route pour dire, j'ai vu quelqu'un. D'accord, merci. 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks, ma'am. Thanks, ma'am. Thanks. Where are we going? Blanchisserie ou clochard? Clochard ou blanchisserie? Blanchisserie ou clochard? C'est dit le Bat-Signal. Putain, la voiture, elle est venue toute seule, trop bien. Ça, tu vois, ça, c'est une Tesla. Donc, nous, on va faire tout. Une fois qu'on sera là, on va aller par là et on va descendre jusqu'à ici. Donc, une fois qu'on est en bas, on va à droite jusqu'au gros croisement. Mais ouais, non, mais vraiment, ils sont vraiment bien ces nouvelles voitures là. C'est Google Car. No. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit merci, no, Elon Musk. On the VIC. The last body's had something written on it. This one didn't. I'm failing to follow. Can't be the same guy, what I'm saying. Before you start trying to arrange this, there are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? En fait, le problème, c'est que je vais aller par là. Putain, c'est qui les level designers du jeu? Qui a fait ça? Ah, mais de toute façon, c'est bon. Non, mais ok, j'ai rien dit, il fallait descendre là. C'est ça le gros carrefour.
Oui, bah oui, ça arrive trop souvent, hein. Combien de fois le soir j'ai mis 2 heures à rentrer au lieu de 20 minutes parce que j'étais perdue là. J'en ai marre des travaux, hein. Ah, peut-être que si les level designers avaient bien fait leur taf, elle serait pas perdue la meuf. You can change back into those white bucks now. Et le poteau, allez! I recognize that guy from the papers. He's a cop. Je sais pas pourquoi ils disent que je suis dans les journaux. Je me demande bien qu'est-ce que les journaux peuvent dire sur moi. Je vois pas. Là, comme ça, je vois pas. Écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Le level designer, voilà. Hein, Rockstar, Rockstar, c'est comme Tesla, hein. Une entreprise saine sur des bases saines pour un jeu sain. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find the register. C'est le policier des journaux. You take a look for yourself. Putain, c'est pour ça que les gens s'en vont dès qu'ils me voient. You wrote the number down on that dress, is it there? C'est quoi que je cherche? Est-ce qu'on peut me dire ce que je cherche, s'il vous plaît? F1363. Je sais pas si je suis 64-63 là. Voilà. Mrs. T. Terrellson, 43 Emerald Street, Westlake. Surtout le plus bizarre, c'est encore pointé du doigt comme ça va, mais le pire c'est. Je lis ça! Et le mec a pas dit qu'il avait des fringues à repasser, c'est comme ça que tu repasses? Mais dans quel monde on vit? C'est quoi cette nouvelle technologie? Juste il y regarde. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. With a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. And the guy earned some peace and quiet. The bum isn't here. We should follow the old lead. These guys can wait. Je sais pas si c'est la drogue ou... Monsieur n'a pas l'air tout à fait dans son état normal. Pourquoi il me suit? Ok, vas-y, c'est bon, ça me fait flipper, je me casse. Ça me fait trop peur. Pourquoi il me suit, le mec? You know the way, you can drive.
Mais tout à l'heure, il y a un mec qui a ouvert la porte. J'ai un feeling we're about to meet another one. Non, pardon, s'il vous plaît, il n'y a pas que moi. Parce que là, c'était pas moi aux manettes. Hein. Donc on peut critiquer, oui, tu conduis mal, t'arraches tout, nanana. Et le mec, il est pas mieux. Hein. Moi, je demande qu'on s'excuse. C'est bon, quoi. C'est juste la façon de conduire dans la police de LA. Putain, j'ai choqué. En plus, j'étais en train de parler. Le mec m'a interrompu pour faire un accident de la route. En plus, le pire, c'est que ça se trouve, à tout moment, à la fin de la game, ils vont me dire, genre, la voiture, elle est cabossée, du coup, tu dois 50 balles. Mais c'est même pas moi qui l'ai cabossée. C'est bon, là, vas-y. Ça m'a saoulé. Vas-y, c'est bon, on arrête de jouer. Vas-y, ça m'a saoulé, c'est bon. Mais... Hello? Yes. Vous avez vu le balai? Detectives Phelps and Galloway. Vous avez vu le balai tomber? Il a bien coupé dans le balai. My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? Costume, non? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. Rentrer, peut-être, non? She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Non, mais dis pas, j'ai peur qu'on ait des mauvaises nouvelles. Dis direct, elle est morte. Ça se grave pas, de faire comme ça. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. Bah, elle est morte. Non, mais dis-lui, frère. Your wife was murdered last night. Her body was found this morning. Ça se fait trop pas comment il fait. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think it's procedure. Ils ont pas entendu ce soir. Ouais, les gamines font la gueule, genre. J'ai pas capté la réaction des gamines. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Bah, tu viens d'entendre, elle est morte. Everything's gonna be alright, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. On vient de vous dire qu'elle est morte, mère. Non, mais surtout, le mec, il est en mode... Pardon. Mais le mec est en mode... Donc on en parle. Et après, je vous raconterai mon histoire que j'ai flippée, parce que du coup, pour l'instant, je n'ai pas pu. Le mec rentre dans la maison. Il fait... Déjà, enfin, même pas il rentre. D'abord, il parle. Le gars lui dit qu'est-ce qui se passe. Il lui dit... Asseyez-vous, j'ai peut-être des mauvaises nouvelles à vous dire. Asseyez-vous. Ok? Déjà, genre, dis direct. Dis pas j'ai une mauvaise nouvelle, je sais pas quoi. Dis direct. Parce que tu le stresses, le gars. Et quand le gars dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Phelps, il fait quoi? Il fait comme ça, il fait. Can I comfort my daughters now? Votre femme. J'ai bien peur qu'elle soit morte. Enfin, je sais pas, dis-le, enfin, dis direct. D'habitude, tu rentres dans l'art direct et là, tu... Je comprends pas. Non, mais c'est plus stressant qu'autre chose. Un bar, encore, ils vont tous dans des bars. To check if she was a regular. Sous la couleur de cette ville. C'est une ville dans laquelle ils sont tous alcoolos et laissent tous traîner leurs bouteilles de jus par terre. Excuse me, ladies. Bonjour les filles, j'ai entendu que vous demandiez à votre père où était votre mère. Alors je voulais juste répéter parce que vous n'avez pas entendu visiblement. Votre mère est morte. Voilà, je voulais juste que... Voilà, vous avez bien entendu là, elle est morte. I'll be out of your way momentarily, ladies. Donc, elle reviendra pas. D'accord, c'est clair? Super, vous êtes géniales les filles. Restez comme vous êtes, ne changez pas. Lars was out in the rain last night. C'est un indice, ça. Il a pris la pluie, c'est un indice. Et bien, heureusement que je ne sors jamais de chez moi, alors. We can see if Pinker can match the impression to the crime scene.
pourquoi c'est toujours le mari qui est suspecté d'avoir tué sa femme et pourquoi surtout il y a toujours des indices comme quoi le mari aurait potentiellement tué sa femme. Je ne comprends pas. So she went out without her handbag? Est-ce qu'il y a vraiment une époque où c'était... Non, j'allais dire ça, mais vous allez me dire qu'aujourd'hui aussi, mais est-ce qu'il y a vraiment une époque où c'était courant d'assassiner sa femme, quoi? She'd have to be in quite a state to leave this behind. Mais en fait, tu me diras en 2023... At least she was spared. Non, mais je veux dire, ça peut être quelqu'un d'autre. Parce que je trouve ça quand même un peu dingue qu'à chaque fois qu'il y a une enquête, il y a le mari, tous les indices correspondent. C'est pas forcément lui qui a tué, mais par contre, il y a tout qui prouve que ça aurait pu être lui. Tu vois, genre... Genre, le gars, il a une chemise tachée de sang le lendemain de la mort de sa femme. Genre, à quel moment dans ta vie ça t'arrive? Bon, déjà, voilà, ça t'arrive pas tous les jours parce que ta femme meurt pas tous les jours. J'espère. Mais je veux dire, c'est quand même... genre, le hasard, quoi. Probably nothing. Pourquoi ça serait pas les gamines qui ont tué leur mère d'abord? Ça se trouve, elles ont pris l'anorak de leur père. Elles ont pris les chaussures de leur père. Et elles ont tué leur mère. Il faut une femme déjà. Encore le truc du bar. On l'a déjà vu. Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. Là, pourquoi la photo est retournée? I wonder why the picture was turned down. Ah bah, je sais pas, enfin... Voilà, same page. Bah, remets-la comme ça, c'est pas grave. Bah ouais. Elles ont roulé sur leur mère. Ça se trouve, elles voulaient juste faire une blague, hein. Mais comme elles savent pas conduire... Ça a mal tourné. Est-ce qu'on peut fermer la porte? Très bien. C'était une bonne blague, hein. Je ne peux pas raconter mon histoire en plus. What is your wife's name? Teresa. Mon histoire. Ah, peut-être. Elle rentre quand, maman? Mon histoire. C'était que tout à l'heure, j'ai toqué à la porte des gens et il y a un mec qui a ouvert avec un masque dans le jeu, hein, pas dans la vraie vie. Je suis pas allée toquer chez des gens hein, dans la vraie vie. C'est pas lui. Mais un mec a ouvert avec un masque et qui a fait bouh. Et vraiment, il m'a fait peur. Voilà, j'ai eu un screamer dans ce jeu. Do you have any idea why anyone would want to hurt? Vous le verrez ça en VOD. No. Pour ceux qui l'ont loupé. Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Là, regarde. T'as vu droit dans les yeux. Yeah, right in the eyes. Ok. So, right in the... Putain, mais tourne pas trop la tête, s'il te plaît, parce que du coup, je me fais douter, mon gars. So you don't know anyone who would want her dead? No, I don't. Mais oui, mais voilà, il tournait un petit peu la tête aussi. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Regarde, là, il a pas l'air sûr de lui, là, il tourne la tête. Regarde, get. Après, je crois que j'ai pas, de toute façon, de... doute. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. Putain, mais elle m'a rien dit. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin and calls me. I go and bring her home. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le mec,
sa femme est morte. Et sa réponse, c'est « Non, mais vas-y, elle fait chier aussi, je voulais jouer avec mes potes !» Bah, ok, bah, c'est bien, j'espère que tu t'es bien amusé avec tes potes, parce que du coup, ta femme est morte. Est-ce que ça valait la peine ? Yeah, I think she was. Là, il va, voilà, là, il mytho, mais bien sûr, tu mytho de fou. Allez, voilà, c'était sûr. Parce qu'elles ne sont jamais heureuses, de toute façon, dans ce jeu, les femmes. Mais j'ai pas de preuves, donc on va dire toutes. Spill it, Taraldson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. Bah maintenant, non, elle est morte. What time did she leave the party? Elle a plus 33 crises, non? About 8:30, maybe a little earlier. Déjà, c'est ses filles qui ont tué sa femme. Bon, visiblement, ça a pas l'air de trop. Visiblement, ça a pas l'air de trop le chagriner, hein. Là, le gars, il est en mode. Ouais, mais en même temps, je me suis bien marré à la soirée quand même. Hein. Ça aurait été dommage de louper ça. Around 8:30, the card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I should have taken her dancing. In my experience, Mac. On m'entend? Je sais pas, vous êtes là? Voilà, c'est exactement ce que m'a fait le jeu à son lancement et je sais pas pourquoi ça fait ça. Dans tous les cas, YouTube, on va se laisser là pour cette VOD. On se retrouve dans la prochaine. Et d'ici là, porte-toi bien. Au revoir, YouTube.